Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 38, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Hello Antoine, hello tout le monde, ça va bien? Écoute, ça va bien, j'espère que nos Mimi notes ou nos Mimi comme tu les appelles vont très bien aussi. Tu sais qu'en ce moment, on est en plein boom sur Génération Cité d'Or, le numéro 9. Comme on l'a annoncé la semaine dernière, on a lancé la campagne de précommande. Et donc, c'est obligé, hein, je vais vous en faire aller 2-3 petites minutes dessus pour vous montrer ce qu'on vous propose en ce numéro 9, parce qu'on vous propose encore un très très bon numéro. Et comme Miasme TV est quand même le soutien officiel de Génération Cité d'Or, hop, on passe sur la page. Donc ça se passe sur generationcitedor.com. Donc en page accueil, forcément, vous allez retrouver toutes les informations sur ce numéro 9. Le mieux, c'est que vous cliquez sur le premier lien pour accéder à la campagne de précommande. Donc cette campagne est ouverte jusqu'au 20 juin. Comme vous pouvez le voir, nous avons le plaisir d'accueillir en nos pages 11 auteurs d'exception que vous connaissez pour la plupart. Donc si vous voulez le détail des articles, bien sûr on retrouve au sommaire Michel Deseille pour le thème principal de ce numéro, qui est le 666, le signe de la fin des temps. On va retrouver aussi Pascal Cazotte avec Matahari, la diabolique. Très joli Matahari, sur la gauche. Franck Ferrandis, les cartes oubliées de Mendoza. Marie Roca, qui va nous faire la suite de son investigation sur la Terre Creuse et sur les pas de l'amiral Byrd. Le retour de Peter Knight, la guerre des images de l'idée à travers la science-fiction. Donc c'est pas l'IA, c'est l'idée, c'est encore autre chose. Vous verrez. Chris Esson, le retour vers le futur grâce à la physique de l'éther. Stéphane Royer, les mystères de l'Est, nucléaire, OVNI et Tchernobyl, et ça se passe en Ukraine. On l'a pas fait exprès parce que l'article avait été écrit un petit peu avant la guerre en Ukraine. Et enfin, on va avoir Charlie Sanson, quand la magie ronde est au rendez-vous. On a parlé dans un ancien Mimi avec ce qui lui est arrivé, un petit peu extraordinaire. Voilà. Et on a un nouveau chroniqueur que vous avez rencontré dans le numéro 2, c'est Jean-Pierre Ekma, qui nous avait parlé de pilule verte. Je ne sais pas si tu te rappelles cet article sur la matrice. Voilà. Et il va nous faire les chroniques du Templier maudit. Et puis, on a voulu vous mettre un petit bonus. Toute sa chronique est intégralement dans l'article de ce blog. Donc si vous cliquez sur le lien, vous verrez l'ensemble de l'article de Jean-Pierre Ekma. Voilà. Et puis pour les propositions de pré-campagne, on vous a mis des packs qu'on a appelés les trompettes, parce que forcément 666 et les trompettes de l'Apocalypse. Donc voilà, il y a les packs première, deuxième, troisième, etc. de trompettes. Je vous laisserai regarder ça dans le détail. Donc voilà, si vous voulez profiter de cette campagne de précommande et puis soutenir le magazine Génération Cité d'Or, toutes les infos sont sur les liens de la vidéo. Sinon, vous tapez generationcitedor.com ou mag-ebook.com, ça marche aussi. Alors nous, dans Génération Cité d'Or, on a parlé de 666 et de la fin des temps, mais on aurait pu aussi traiter de la prophétie des papes. Et c'est le sujet que tu vas aborder avec la potentielle démission du pape François. Ah oui, c'est un petit peu en lien aussi, tu vois, par rapport à l'article qui fait la première page du dernier Génération Cité d'Or, hein, avec le 666, l'Apocalypse, la fin des temps. Et figurez-vous que l'état de santé du pape François actuellement inquiète les défenseurs des prédictions de Saint Malachi et sa célèbre prophétie des papes. Alors je présume que vous avez tous déjà entendu ces prédictions, hein, c'est la prophétie des papes de Saint Malachi. Alors pour ceux qui auraient oublié ou qui ne connaissent pas, hein, c'est en 1595, c'est un moine qui s'appelait Arnold de Vionne qui a publié dans son ouvrage Lignum Vitae Ornamentum et Deus Ecclesia, excusez-moi, je suis pas super en latin. Un texte latin de 5 pages intitulé Prophetia Saint Malachia. Je ne vais pas vous lire la suite parce que je vais bafouiller. Ça finit par Pontificibus ou Kibus.
Donc, alors il expliquait ce moine qu'il avait découvert ce texte en 1590 et en fait il l'attribuait à l'évêque d'Irlande Malachy d'Armagh, dit Saint Malachy, qui était né en 1094 et est mort en 1148. Et donc cet évêque Saint Malachy, en fait, il avait écrit sur 5 pages une série de 111 brèves devises décrivant les futurs souverains pontifes à partir de Célestin II, le pape qui était en place en 1143. Et ces 111 brèves se terminent par une phrase à l'interprétation, on va dire, obscure, qui concerne un certain Pierre le Romain. Donc la 111e prophétie Gloria Olivae, la gloire de l'olivier ou de l'olive, correspond au pape Benoît XVI, hein, qui a renoncé à sa charge en 2013. Donc Pierre le Romain, tel qu'annoncé dans la prophétie, devrait ainsi correspondre à l'actuel pape François. Son successeur, le successeur donc du 111e, hein, qui serait donc le dernier pape. Donc, du coup, à la fin de la 111e prophétie, hein, il est écrit dans ce texte de Saint Malachy, Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations, celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et un juge redoutable jugera son peuple. Fin. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de monde qui s'est intéressé justement à ces prédictions de Saint Malachy, puisque... Comme je l'expliquais, en fait, chaque pape est désigné par un nom composé comme pour le 111e, hein, Gloria Olivae, pour la gloire de l'Olivier. Donc, il y a pas mal de monde qui a creusé dans ce sens pour essayer justement de voir si ça collait avec tous les papes qui étaient déjà passés. Alors, je vais pas vous refaire les 111 papes, mais il y en a qui l'ont fait pour moi, et c'est assez troublant. Alors, on va juste reprendre, par exemple, les deux derniers. Hein. Donc, le 110e, c'était le pape Jean-Paul II, que, justement, Saint Malachy avait nommé « de labore solis », ce qui signifie « du travail du soleil ». Pardon. Et alors, par rapport à Jean-Paul II, Carole Voyotila, il faut savoir qu'il a vécu un pontificat de 28 ans. C'est la durée du cycle solaire calendaire dans le compute ecclésiastique. C'est le système qu'ils utilisent pour calculer la date des fêtes religieuses mouvantes. Mais surtout, Jean-Paul II, il est né le jour d'une éclipse solaire partielle et a été enterré, Antoine, le jour d'une éclipse solaire annulaire. Voilà. Donc, par rapport à cette devise que lui avait attribué Saint Malachy, le travail du soleil, ça matche pas mal par rapport à Jean-Paul II. Et du coup, le 111e, c'est Benoît XVI. C'est quoi sa devise? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est « De gloria olivae », donc de la gloire de l'olive. Alors, il faut savoir que Ratzinger, hein, avant de devenir pape, il a été élu en 1992 en tant que membre étranger à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Et le costume de l'académicien est brodé de branches d'olivier. Bon, alors il y en a qui disent ouais, c'est un petit peu capillotracté, mais bon, quelque part on retrouve cet olivier quoi dans la devise du 111e, le dernier. Et donc, comme je vous expliquais, cette phrase qui termine tout ça, dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain qui pètera ses brebis au milieu de nombreuses tribulations, etc., etc. Et la ville aux 7 collines sera détruite, donc rapport à Rome, parce qu'il faut savoir que le Vatican est à Rome, et Rome est une ville qui est entourée de 7 collines. Donc ça fait bien sens par rapport au Vatican. Mais dans l'article qu'on a sélectionné, on a vu que visiblement le pape viendrait peut-être à démissionner. Exactement, tout à fait. C'est là que c'est inquiétant, parce que si on se dit que le pape François, hein, Pierre le Romain, c'est le dernier, il y a des rumeurs de démission du pape François actuellement, hein, qui s'intensifie au Vatican. Donc est-ce que le pape François va être amené à démissionner dans les mois prochains? Comme le rapporte The Guardian, plusieurs spécialistes s'inquiètent de l'état de santé du souverain pontife, ainsi que de plusieurs de ses agissements des dernières semaines. Donc diminué au genou, l'Argentin est apparu en fauteuil roulant pour la première fois en public au début du mois de mai, alimentant les craintes de nombreux croyants quant à son départ précipité du Vatican.
Et puis, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il a également pris la décision très récemment d'accueillir un consistoire le 27 août prochain pour nommer de nouveaux cardinaux, dont certains seront éligibles pour élire son successeur lors du prochain conclave. Donc, c'est ce que certains ont noté, que c'est très étrange d'avoir un consistoire en août. Il n'y a aucune raison qu'ils doivent convoquer cet événement 3 mois à l'avance. Voilà. Alors, Ah, mais du coup, par rapport aux prophéties, ça matche pas, là. Ah bah lui, en fait, apparemment, il prévoit de démissionner. Mais justement, par rapport à la prophétie, hein, bon, c'est pas dit qu'il allait démissionner ou qu'il allait mourir, ou ça dit juste qu'il fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations, et voilà, et juste après, bah, c'est la fin, quoi. D'accord. Et puis, bon, il faut savoir aussi que le pape François se rendra au festival de Perdonanza Celestiana à L'Aquila, une ville des Arbruses, où se trouve le tombeau de Célestin V, un pape ermite qui a démissionné en 1294, 5 mois après son entrée en fonction. Nombreux sont ceux qui y voient ici un signe, d'autant que le pape Benoît XVI, démissionnaire lui aussi, s'y était rendu en 2009, 4 ans avant son départ. Donc voilà, ça fait plusieurs choses, des décisions qu'il prend, son état de santé. Ça fait craindre à beaucoup qu'il pourrait. Donc oui, voilà Antoine, hein, entre son état de santé et puis ses décisions un petit peu étranges et précipitées qu'il a prises ces derniers temps. Bon, beaucoup s'inquiètent sur le fait qu'il pourrait démissionner. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en 2013, hein, juste après le début de son pontificat, le pape François avait déclaré qu'il aimerait voir la démission d'un pape devenir normale par rapport à son prédécesseur. Donc, si jamais notre pape François démissionne, est-ce que justement les prophéties de Saint Malachie vont se mettre en place? La ville aux 7 collines sera détruite et puis le Dieu redoutable jugera, nous jugera. Alors, oui, c'est-à-dire que soit effectivement il démissionne et comme les prophéties vont se réaliser, du coup, il faudra que ça se réalise avant sa démission, donc avant l'élection du prochain. Mmh. Donc ce qui est inquiétant. Soit on n'est pas dans la bonne rotation de pape et que peut-être qu'il y a un décalage et que ça sera des prochains. Parce qu'il parle de quoi au niveau de la prophétie du 113e? Ah, il n'y a pas de 113e en fait. Ça s'arrête au 111e et en fait il ne nomme même pas le dernier pape comme il a nommé tous les autres. Dans sa liste des 111, il le nomme directement Pierre le Romain. Voilà, c'est assez étrange. Ah oui, c'est ça, c'est le dernier pape, donc le pape actuel serait Pierre le Romain. Serait Pierre le Romain, c'est ça. Alors, je tiens à préciser que dans ceux qui ont fait justement toutes ces recherches par rapport au nom, enfin aux devises portées par Malachie à tous ces papes, par rapport au pape François, que Malachie nomme Pierre le Romain, il faut savoir que les 4 premières lettres de son nom, c'est Berg. C'est Georges Mario Bergoglio. Berg signifie montagne ou roche en allemand. Et en latin, se dit Petrus, soit Pierre. Voilà, bon. Petit détail par rapport à l'association de son nom et de la devise de Saint Malachie. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se sont vraiment penchées sur toutes les devises, qui ont repris tous les papes un par un. Et franchement, il y a des choses vraiment troublantes. Je sais qu'il y en a un, je me rappelle plus lequel, où il avait Saint Malachie l'avait nommé. C'était le temps d'une lune, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus. C'était un rapport avec la lune. Et en fait, ce pape n'a eu un pontificat que de 28 jours, le temps d'une lune. Mais le problème, c'est que logiquement, c'est comme les rois, hein, les papes ne démissionnent pas. Un pape Exactement. Quitte ses fonctions en mourant. Donc ça c'est se ça. Trouve, le précédent, bah, il comptait pas. Vu qu'il a démissionné. Ouais, alors en fait, ils vont tous démissionner pour arrêter la malédiction de Saint Malachie, c'est ça peut-être? Bah écoute, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même un petit peu capillotracté de vouloir faire coller l'histoire de l'Olivier avec.
Mais il n'y avait pas que ça. Autres... Il y avait pas que ça aussi. Je oui, sais mais après, que... tu sais, dans les prophéties, tu peux toujours. Oui, comme celle de Nostradamus. Des éléments, voilà, c'est en soi, c'est facile. Mais un pape, ça ne quitte pas sa fonction divine en démissionnant. C'est pas un job qu'il a. C'est une fonction divine. Donc, c'est rappelé par Dieu. Donc, à partir du moment où il démissionne, ils sont peut-être pas comptés dans les papes. Donc, gardez espoir, ça sera peut-être pas encore pour cet été, la fin du monde. C'est ça, on va pas vous faire peur. Je peux vous dire que là, les prophéties de l'Apocalypse, 666, etc., je les ai relues, avec le Mac, je me suis replongé dedans. Ah ben ça, vaut mieux y passer d'entrée de jeu, hein, parce qu'une fois que tu t'es chopé les 7 trompettes, les 7 sauts, les 7 coupes, je suis pas sûr que ceux qui survivent, ils soient... Bah, je ne sais plus qui disait ça par rapport à certaines prophéties, mais que les vivants envieront les morts. C'est ça, voilà. C'est exactement donc, ça. Faut mieux y passer tout de suite, comme tu dis. Ouais, enfin, bon, en tout cas, s'il y a l'Apocalypse, il y a peut-être un endroit où vous pourriez vous réfugier et peut-être recréer la nouvelle humanité. Et avant de vous montrer cet endroit, je vais te montrer une petite photo. Est-ce que ça te parle, ça, forcément ? Oui, c'est la suite de Jurassic Park, Jurassic voilà. World. Jurassic World numéro 3, avec Omar Sy, d'ailleurs, on peut remarquer, sorti au cinéma mercredi. Et je pense que c'est peut-être un peu lié à tout cet engouement par rapport au film. Il y a des infos qui ressortent par rapport à des mondes perdus. Et ça se passe en Chine. En Chine, un mystérieux gouffre de 192 mètres abritant une forêt primaire a été découvert. Et alors, effectivement, il fait 192 mètres de profondeur, mais il fait 306 mètres de longueur et 150 mètres de largeur. Et il y a tout un écosystème qui se trouve là-bas. Alors déjà, on va aller faire un petit tour pour vous montrer où ça se passe. Donc, ça se passe dans la région de Zhuang, du Guangxi, à côté du village de Pingjie, dans la comté de Lei. Donc, allez, on va aller en Chine, ça sera plus simple, vu que j'écorche les noms en plus. Pingjie, Xian de Lixei, ça va être ça. Là, vous voyez un petit peu comment est cette région, hein, vu d'en haut. Là, il y a le Pingjie village, ici. Et donc, c'est dans cette zone-là où ils ont retrouvé effectivement un gouffre comme ça de 192 mètres de profondeur. Alors, ils appellent ça des gouffres karstiques. C'est la topographie que vous voyez sous les yeux, c'est une topographie karstique, c'est-à-dire elle est faite de roches carbonatées, calcaires et de dolomies. Voilà. Et donc, en fait, ce serait toutes ces infiltrations d'eau qui, au fil des années, des centaines d'années, des millénaires, ferait à un moment donné s'effondrer, fragiliserait ces roches calcaires et ferait s'effondrer sur lui-même le sol et créerait des gouffres immenses. Donc en définitive, c'est pas la première fois qu'ils en découvrent. Hein, un des chercheurs de cette province disait que c'était le 30e du genre qui avait été découvert dans le comté de Lei. Donc tu vois, ce sont des gouffres qui sont très très courants. Je pense même que c'est parce que on s'y intéresse, et les scientifiques s'y intéressent aujourd'hui, qu'on en parle, mais je suis sûr que là-bas, les autochtones du coin, ça fait des centaines d'années qu'ils y descendent, qu'ils y remontent, etc. Bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ces ingénieurs de l'Institut de géologie du CARTS sont descendus dans le gouffre et ont découvert de nouvelles formes de végétation. Et ils se demandent s'ils ne vont pas découvrir de nouvelles formes de vie. Alors de là à voir apparaître un dino qui viendrait les croquer, on n'est pas encore là. Mais c'est en train de faire le buzz en ce moment sur Internet. Et je pense que c'est vraiment par rapport à la sortie du film. Tout le monde se réintéresse soudainement au Jurassic World. Et donc, ces sujets-là font rêver. Mais c'est vrai que si on revient à cette histoire de fin du monde,
eh bien, il y a les chanceux qui vivent dans des zones comme ça, très, très... comment on appelle ça ? Reculés, à l'abri, quoi. Ouais, avec beaucoup de relief, qui pourront se planquer dans des trous et puis remettre en place une nouvelle humanité. Bah moi, je serais pas bien rassuré de descendre dans ce gouffre le premier et aller l'explorer. Ah, tu tombes sur des araignées géantes ou des machins, tu sais pas trop, trop rassuré. Oui. Ouais, les grosses colopendres, là, tu sais. Les énormes mille pattes, là. Non, ça serait... Allez-y en premier, je vous rejoins. Vous me direz ce que vous voyez. Ouais, d'ailleurs, si vous avez envie de nous dire, tiens, un petit peu pour jouer ensemble, ce que vous pensez qu'on pourrait y trouver dans ces gouffres, allez, lancez des pronostics, vous les notez sur les commentaires, et puis on regardera ça dans 6-8 mois s'ils ont sorti un listing pour voir ceux qui ont vu juste. Bon, bien voilà, Jérôme, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, je sais, il n'y a que deux nouvelles, mais comme vous le savez, en ce moment, je suis en plein bouclage de Génération Cité d'Or numéro 9 et j'ai du travail par-dessus la tête. Voilà, et le montage vidéo, ça prend du temps. Donc, deux mimi pour aujourd'hui, deux mimi la semaine prochaine pour le numéro 39, et ensuite, on repartira sur un rythme de 4 nouvelles comme vous avez l'habitude de les avoir. J'espère que vous nous comprendrez, et puis. En attendant, ben voilà, ce mimi numéro 38 se termine. Je crois qu'il y a des élections d'ailleurs ce week-end. Donc pensez à faire barrage à ceux qui nous gouvernent, ça nous fera pas de mal. Parce que par rapport à ce qui nous prépare, ça risque d'être un peu compliqué. Et puis nous, on se retrouve dans tous les cas pour mimi numéro 39, en pleine forme. Yes. Ok, allez, ciao, passez un bon week-end. À bientôt tout le monde, ciao.